Elles sont de drôles de pistolets. Ils marchent sur la tête, mais quand ils malent fête, ça n'est pas une cloche, c'est une sacrée galoche. Elles sont de drôles de pistolets. S'il faut faire l'acrobate, trouvez-en qui les batte. Ce que préfère Gobelet, c'est toujours un bol de lait. Sans les Gobelets, sont de drôles de pistolets. Sans les Gobelets, sont de drôles de pistolets. J'ai du bon ragoût dans ma casserole. Dépêche-toi, ce mon petit sol, il en restera pas. J'ai mis du persil, du thym, la sarriette. Dans la sauce où flottent mes belles boulettes. J'ai du bon ragoût dans ma casserole. Dépêche-toi, mon petit sol, il en restera pas. J'ai bu du ragoût dans ma... Tiens, un chien qui s'énerve. J'ai du bon ragoût. Tiens, deux chiens qui s'énervent. Et... Tiens, une multitude de chiens qui s'énervent. Oh, ils sont dans l'escalier. Quelque chose me dit que ces chiens ne sont pas venus ici tout seuls. Oh, oh, oh là là, couchez, chien. Qu'est-ce que je vous disais? C'est toi, ça? Oui, c'est moi, alors. Ouvre vite, alors je suis fini avec les chiens qui me sautent dessus. Non, hé, hey, pas question. Je veux pas avoir des douches de 14, 22, 3, 300 chiens ici dans les bras, hein. Oui, 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 au secours, alors. Il y a un gros noir qui veut me dévorationner. Ouais, qu'il est beau. Un beau grand labrador, haut comme ça, oui. Avec un beau museau humide. Et une longue langue rose qui vous débarbouille un seul en moins de deux. Les beaux yeux intelligents, remplis de haut de fidélité. Avec une petite larme au coin de l'œil. Oui, ça va, ça va, ça va, ça va, c'est tout. Il est impatient, là. Ça va, je dis. Pauvre petit moisi, tu es bon, Gobelet. Oh, c'est fin. Pourquoi il t'a amené tous ces chiens à la maison? J'ai pas fait exprès, ils m'ont suivi alors. Je peux pas savoir. Ça a commencé par une grosse boule d'ogre. Ensuite, il y avait toutes sortes de petits épargneuls. Il y avait deux vergers armands. Et puis ensuite, un grand daltonien. Oh, il y en avait alors, tu peux pas savoir. C'est fin, maintenant ils veulent plus s'en aller. Oui, oh, oui, peut-être ils ont faim alors. Attends. Attends, je vais chercher du pain tranché. Du pain tranché? C'est une bonne idée, ça, alors. Pour leur donner à manger, les pauvres. Il a raison. Allez, chien-chien! Allez, manger ça plus loin! Allez! Allez, chien-chien! Allez, vas-y plus loin! Regarde! Oh, c'est comme là! Oui, le vilain, alors! Ça va, c'est le gros noir! Oh, il m'énerve! Quoi faire, quoi faire, quoi faire? Attends, j'ai une idée. Bouge pas. Chien-chien. Oh, une trompinette! Voilà, chien-chien! Une chandelle, un petit robot, une autre chandelle, une autre chandelle. Il y a des chandelles. Ah bon, j'aime les chandelles. Allez, 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 allez. Un chacha pour les chiens. Ah, allez, ah, ça ils vont aimer. Ouais, oui, alors, viens. Oui, il y a une carton ici. Oui, mon yo-yo, grand homme. Il vient de braquer. Un signal. 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 Ça continue encore. Il mange tout, mais il reste là. Quoi faire, quoi faire. Il n'y a plus rien dans tes poches. Il n'y a plus rien dans les poches. Oh, oh. Il y a encore ça. Ah, allez. Stop. Écoute, tu me feras signe quand ils seront partis, hein. D'accord, d'accord. Oui, alors, alors, alors. Oh, ouh, que ça a l'air bon, que ça a l'air bon, que ça a l'air bon. Qu'est-ce que tu dis? Je dis ça a l'air bon, ça a l'air bon. Ah oui, c'est bon, alors. C'est mes amis chiens qui vont être contents. Laisse-moi faire, je vais aller servir tout seul, te dérange pas. Oh, ça, c'est gentil, ça. Oh, oh, pour une fois qu'il m'aide, je vais pas le contrarier. Doucement les chiens. Vas-y les chiens.
bagarre, alors. Oui, doucement, doucement. Oui, le gros, les petits. Oui, tout manger déjà. Donne. Oui, le terrible. Oh, c'est le gros, alors. Il a tout mangé, il n'a presque pas laissé pour les petits. Tout a été mangé d'un seul coup, t'as pas vu, hein? Oh, c'est vraiment gentil, ça, de m'avoir aidé comme ça. Vraiment, je ne l'oublierai jamais. Il y a la boule d'ogre, alors, elle a mangé la cuillère un peu fort. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, t'as mangé mon ragoût? Moi? Non, c'est pas moi, c'est les chiens. Qu'est-ce que tu dis? C'est pas moi, c'est les chiens. Qu'est-ce que tu dis? C'est pas moi. Ah, c'est pas toi. Alors, c'est les anges, peut-être, hein, qui sont descendus sur Terre pour manger mon ragoût. Mais non, alors, c'est pas les anges, c'est les chiens, là. Oui, ah bon, je me disais aussi, les anges qui... Quoi? Les chiens ont mangé mon ragoût? Je t'ai dit, je vais les servir moi-même. Tu m'as dit ça, c'est une bonne idée, t'es gentil. Oui, alors... C'est ma faute. J'espère qu'ils l'ont apprécié au moins, mon ragoût. Oh oui, tu parles. Ils frémissent de contentement de chien bonheureux. Alors écoute. J'ai pas besoin d'écouter, j'entends. Oh, et tu sais quoi, Goblin? Ils en veulent encore. Erreur, mon petit sol. Hein? Mes pensées profondes s'entrechoquent. J'ionise, je me phosphorise et j'aimais. Les chiens, c'est pas le chaudron qu'ils veulent. C'est ton manteau. C'est moi, alors, c'est moi, oui. Oh, tu as raison. On va faire un ragoût de moi, alors. Je le mérite. Je suis coupable en petits morceaux. Bouge pas, Satan. Vas-y, alors. Je serai le premier ragoût de clown. Oh, tu me feras cuire avec des petits croutons en souvenir. D'accord. Allez, chien. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? T'entends? J'avais raison. Ils sont partis. Ils sont partis. Et tu sais pourquoi? Non, je sais pas. Tu sais pas pourquoi? Écoute, mon petit sol, je leur ai lancé un morceau de ton manteau et ils sont contents, ils sont partis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon manteau est meilleur que ton ragoût. Mais non! Ça veut dire que ce qui les attire, c'est ton manteau. Oui, alors. Peut-être ils ont raison, peut-être c'est bon, tu sais. Attends. Une petite soupe au manteau. Oh! C'est bientôt fini, oui? Oui, non, alors il faut que ça bouilline longtemps. C'est pas jeune, c'est... C'est même pas chaud encore. Écoute, peut-être tu es pressé. On pourrait peut-être le manger avec du pain tranché, ce serait beau. Hein? Froid, comme ça. Voilà, goûte un peu le bon sandwich. J'aime mieux les sandwichs faits à la main. Oui, alors. Mayonnaise. Écoute-moi. Juste écoute alors, vas-y. C'est l'odeur de ton manteau qui attire les chiens. Tu es sûr? Oui. Mais c'est pas un manteau, ce truc-là. C'est un véritable menu. Comment ça? Tiens, par exemple, je peux deviner tout ce que tu as mangé depuis 10 ans. Tiens, l'effet volard qu'on a mangé le mois dernier. Oh. Tiens, le sirop d'érable 1954. Oh. Tiens, la petite omelette qu'on a dégustée il y a 2 mois. C'est bonne, avec du fripier de persil qu'il y avait. La dinde de 1966. Oui. Noël 1966. Tu te rappelles? Oui, alors. C'est moi que j'étais l'arbre de Noël. Oui. Je t'avais mis des boules partout. T'étais presque beau avec tes glaçons dans les oreilles. C'était une belle année. Oui. Dans ce temps-là, j'étais pas encore l'ami des chiens. Non. On est marre de vivre avec un ami toujours couru par les chiens. Cette situation a assez duré. Il est temps que je prenne une décision équivoque et paradoxale. Oui, ça c'est fort.
Seul, enlève ton manteau, je vais le laver. Oui, non, alors, non ah, je l'ai jamais enlevé, même pour me coucher, même pour dormir. Mais depuis bien l'enlever pour le laver. Je veux pas. Très bien, d'accord, j'ai une bien plus meilleure idée. C'est attends, tu vas voir. Je peux quand même pas enlever mon manteau. Si je l'enlève, je vais me sentir comme une banane qui a perdu sa pépite. Considère et sois sidéré. Oui, alors, qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau pour toi. Oh. Tiens, prends ça. Vermouilleux. C'est comment une douche. C'est une douche à manteau. Oh. Tu la portes toujours sur toi, toujours. Attends, je te l'enfile. D'accord, d'accord. Il y a un petit crochet, j'ai pris la douche. Attends, je la tire, vas-y. Comme ça. Oh, tu vas être heureux avec ça. Extraordinaire. Ton manteau, il sera toujours propre. C'est vrai? Toujours. Oh, voyons. Tu me brusques. Qu'est-ce que c'est? Là, voilà. Voilà, voilà. C'est compliqué, alors. Dis donc, Gobelet. Il n'y a pas de robinet du tout. Il n'y a pas besoin de robinet. C'est une douche permanente, continuelle et irréversible. Oh. Oh, ton manteau, il sera toujours prêt. Oui, alors, ça, c'est vermouilleur. Tu es bon pour moi. Attends, non, je suis bon pour ton manteau. Attention, voilà le Niagara. Oui, alors. Oh, oh, c'est amusant. Oh. Oh. Regarde, petite démonstration. Voici, pour les grosses tâches, le gros jet. Oui, alors, ça, ça fait du bien. Oh. Et pour enlever la poussière, le petit jet atomisé. Oups. Où il est, le petit jet? Ah, le voilà. Il s'en vient, il s'en vient, Ah oui, je sais, ça chatouille comme ça au début, mais tu vas voir, on s'y fait vite. Oh, il est extraordinaire. Oh, que c'est gentil, alors. Oh, toujours, ça va me piquer comme ça. Oh. Oh, c'est émouvant. On dirait un cactus à sa première averse. Viens vite à table. Qu'est-ce qu'il y a? Je prépare une belle tartine pour te remercier alors. Vas-y, 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 tu vas voir si bon. Goûte un peu moi la belle tartine. Oh. C'est bon? Goûte. Oui. Allez, allez. Ah, encore un peu de confiture. Là, un peu humide peut-être, mais délicieux. Je vais lire mon journal. D'accord, d'accord. Je vais être bon pour lui alors. Oui alors. Oui, Gobelet. Extraordinaire. Gobelet, regarde. Regarde, Gobelet. Je peux faire du lavage, la vaisselle, n'importe où. Même dans le lit alors. C'est propre, propre. Seul. Regarde. Écoute-moi, mon petit Seul. Quoi? Pour notre santé à tous les deux, tu dois désormais te tenir loin de moi. Tu es sûr? Très sûr. Oui, alors. Il a raison. Je vais aller faire un petit peu de promenade pour montrer ma douche au monde. Ça ne peut plus durer. Je ne peux pas passer ma vie entre une averse et une ondée. Seul, écoute-moi, mon petit Seul. Il faut que je te... Oh, petit, où est-ce qu'il est passé? Bon, j'ai une idée. Sorti. Par à ça, on cherche. Thank you.
Faire du promening avec ton invention dans la rue. Tant pis pour toi, on se jette pas sur tout le monde à douche que veux-tu. Oui, alors. Oh, ça y est, plus de douche peut-être. Hein? Ça ne fait rien. Ton manteau, il va prendre un bain. C'est meilleur qu'une douche. D'ailleurs, j'ai tout préparé. Le bain, l'eau, le savon, tout. Oui, non, alors pas de savon. Ça te picote les petits yeux. Bon, bon, très bien, tant pis pour toi. Après tout, c'est pas moi qui le porte, ton manteau à tire-chien. Au dodo! D'accord, 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 puisque tu le dis. Ah. Oh! D'ailleurs, je suis très, très fatigué. De la mousse dans la langue. Du savon qui pique les yeux, je le sens. Tu me chatouilles. Le menteur. La viande. Bon, ça suffit maintenant. Allez, sors de là. Oui, non, alors. Deux minutes encore, je m'amuse. Bon, d'accord. Je compte jusqu'à 100, mais après, j'enlève le bouchon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Oui, l'eau s'en va. Sol! Sol, où es-tu rendu, espèce de croûte? Je suis là, ici. Oh, pauvre galoche, il est rendu dans le tuyau de renvoi. Attends un peu! Fais ta vie, alors! Ça y est, je l'ai. Sans toi, j'étais renvoyé, tuyauté alors. Oh, ça, ça, j'en peux plus. Oui, qu'est-ce que t'as? J'en peux plus, je faiblis. Oui, pauvre gosse, qu'est-ce qui se passe? Ton manteau. Quoi, mon manteau? Qu'est-ce qu'il a, mon manteau? Il sent bon. Il sent bon. Hey! Oui!
C'est vrai, t'as raison. Oh, il sent la moustre parfumaillée. Youpi, alors. Oui, mais seulement tu peux pas rester comme ça, il dégouline de partout. Ah oui, c'est vrai. Allez, va faire une petite promenade et tu reviendras quand il sera complètement sec. Ça va revenir vite. Non, prends tout ton temps. Une nouvelle vie commence pour nous. Oh. Ah, seul qui sent la verveine et le serpolet. C'est le plus belle réussite de toute ma carrière. Des filles, des milliers de millions de femmes, de madame et de filles qui me poursuivent. Alors, parce que je sens bon, elles veulent m'embrassouiller. Oh!